Hola, hola à tous et bon comeback sur Anima Gaming FR et sur Chicken Journey. J'ai pas branché le casque, bah voyons. Il fait ça sans casque maintenant. Pour vivre la journée d'une poupoule. Comme d'hab, petit jeu démo sur Steam disponible. Pas encore en vente. De Dieu, l'œuf ou la poule en premier? Dans les commentaires tout de suite. Moi j'ai toujours dit la poule. Parce que même si la poule n'existait pas à la base, il y a eu une mutation ou quelque chose. Donc rien ne dit qu'avant la poule, avant qu'elle ne soit ce qu'elle est, elle faisait pas des trucs chelous, genre tétard, bah dégueulasse. Il paraît que c'est un oiseau. Oh, ça a l'air tellement mignon. Oh, ça a l'air. X. Ah, de Dieu. Trouvez votre sac à dos. Allez au truc du maire. Ok, donc on descend, ça a l'air d'être bien contrôlé et tout. Ça me donne envie d'être une popole. Appuyez sur Y pour votre progression dans la quête. Allez parler au maire. Ok, le maire connaît tout un tas de choses. Il devrait pouvoir vous aider. Tiens, d'ailleurs, je suis surpris parce que j'ai pas réglé et j'ai. C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder non plus. Je pensais pas que le jeu était traduit en français. Donc déjà, très bien, magnifique. T'es une bonne popole française. On va te marier un coq. À chaque fois que vous passez devant un livre magique. Et moi, je veux tout fouiller. Attends, attends. L plus A pour redescendre. Attends, L, L, c'est quoi? Attends, c'est quoi L? Ah, ok, c'est le joystick, ok. J'ai même pas besoin de faire A, en fait. Vas-y, on va tout voler, tout piller! Parce qu'il y a des trucs! Déjà, vous avez des drôles de maisons, les poupoules. Mais j'ai connu des amis qui avaient des poupoules en domestique. Bon, je les ai jamais côtoyés réellement l'hiver, mais de temps en temps, je les voyais l'été. Et du coup, je sais pas s'ils les laissaient dehors tout l'hiver ou quoi que ce soit, je sais pas si ça sente. Dwight Schrutz! Meilleur commercial de Dunder Mifflin. Regardez The Office, version UK. Elle est très bien, très bien. C'est pas tout jeune. Avec Michael Scott. Il fait grand soleil. Un temps parfait pour mes récoltes. Oui, et alors qu'est-ce que ça me fout? Tu récoltes quoi? Des tournesols? C'est bien, on peut récolter des graines de tournesol, c'est vrai. Non, 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 on peut faire de la farine de tournesol, il me semble. Village des poules! Bonjour. Ma couleur porte-bonheur, c'est le noir. Et toi? J'ai envie de dire espèce de raciste, c'est parce que t'es noir que tu me dis? Non, c'est pas bien. Il a le droit, hein, franchement. Je vois, ouais. Non, moi, c'est le mauve. Mais j'ai eu une petite période goth quand j'étais jeune, bizarre. Bah, simplement, j'avais des fringues noires, hein, je me maquillais pas. On t'a dit pour notre fruit? Je crois qu'il est hanté, comme c'est excitant. Ah, mais moi, je vais aller voir le maire, non? Bonjour, je peux pas rentrer chez eux. Pourquoi chez eux je peux pas? Et qui a verrouillé? Moi j'apprécie pas beaucoup ça qu'on me ferme les portes. Mère de Dieu, viens, on va baiser. Ah, c'est tellement relaxant, une douche de sable. Pourquoi ça prend des douches de sable et cocotte? Attends, j'ai peur d'aller trop loin, mais voilà, au bout d'un moment ça bloque. Ok. Bonjour. L'école, c'est vraiment trop nul. Et pourtant, tu verras que c'est tes meilleures années. Je préfère jouer à cache-cache. Cache-cache, ça, par contre, c'est nul. Il y avait plein de jeux quand j'étais sympa. Limite, je préfère un attraper, un loup-garou, un ce que tu veux, un épervier, le yo-yo, les jojo, les billes, ça, c'était cool. Les pogs, merde. Les cartes Pokémon, c'était cool. Je m'occupe de tous les poussins du village. Il y en a beaucoup. Eh ben ouais, faut arrêter de forniquer. Non, faut repeupler, t'as raison. Lire, c'est super, espèce d'intello. Vas-y, vas-y, on va tout piquer. Il y a des ressources, toi t'es qui? Et tu te caches à l'école? Il y a des meilleures cachettes. Je sais pas c'est quoi mon problème, le fait de vouloir absolument monter tout en haut de la maison. Surtout que je vois bien qu'il n'y a rien, mais. Toi je t'ai pas parlé. Si je t'ai parlé, on s'en fout, t'as dit que je sais. Mais effectivement, il y a des cocottes qui aiment bien les caresses, qui sont amicales, qui ont des maîtres, quoi. Il y a des cocottes.
Eh ouais, t'as laissé ouvert. Oh, les cocottes, ça se beurre la gueule comme les singes. J'ai une bonne blague à te raconter. Il n'y a rien de raciste dans ce que je dis. Hein. Il y a vraiment des singes qui savent faire fermenter des fruits et se bourrent la gueule. J'ai une bonne blague à te raconter. Ça me fait chier de devoir le préciser, putain. Quelle est la boisson préférée de la poule? Attends, le lait, parce que le lait de poule? Le cocktail. Ah, oh, j'étais pas loin. Le cocktail, j'avoue. Ah là là, tout de suite, ça rajoute une tension sexuelle. Le cocktail. Ne tapez pas ça sur Internet, les enfants. Quoique. Non, parce que je me dis, vous pourriez même tomber sur des poulets chelous. Voilà, des poulets dans ce genre de situation, c'est de la nature morte, ça, c'est quoi? C'est la guerre? Qui est dépressif ici? C'est fait en caca de poule? Poisson, pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. Tourne. Oh, ça doit être en haut qu'on doit aller, ok. Tout, 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 tout. Faire tomber un truc. X. En construction. Et bah putain, c'est pas moi qui irai vivre là-dedans. J'aurais trop peur. Je suis trop lourd pour ça. Cet endroit est tellement agréable et confortable, je pourrais dormir toute la journée. Et bah fais donc, ma poupoule. Fais donc. Tiens, alors avant d'aller voir le maire, qui est là? Pigeon. Ah non, peignon, un joli petit nuage. Excusez-moi, j'ai vu une sorte de pigeon. Mais il y a des poupoules comme ça aussi, avec des belles plumes. Je crois même qu'il y a des poupoules à poil. Des poupoules poilues. Qui êtes-vous, vous? Mère, bonjour. Quelque chose te tracasse? L'œuf ou la poule? Encore la question. Oh, c'est exact. C'est la première question que j'ai posée. Allons, tout le monde sait bien que. Tu sais quoi? Pourquoi n'essaierais-tu pas de trouver la réponse par toi? Putain, tu veux dire que dans ce jeu, on a enfin la réponse ADN de l'œuf ou de la poule? Mais je vais acheter ce jeu! Il n'est pas encore sorti, hein. Je vous redonnerai peut-être encore toutes les infos à la fin, hein, si j'y pense. Mais ce serait pas drôle. Tiens, apporte-moi le vieux manuscrit de philosophie qui traîne dans les archives. Il doit bien contenir des pistes intéressantes. Les archives, je présume que c'est là-haut. Bonjour. Ce que je suis en train de faire comme diable de supercat. C'est génial. C'est gagné, on peut pousser. Ok, on peut pousser. Oui, Dédé. Tout à la force du crâne. Chope les archives, vas-y, vole, vole, vole. Change d'identité, c'est ton moment. Vous avez des comptes en banque, les poules? Hack le système, mon gars. Tiens, tiens. Tu l'as trouvé, il va falloir que je le lise. Ah, bah, pas de bol. Pendant ce temps-là, si tu allais donner un coup d'aile aux autres villageois, va donc discuter avec Molly à la crèche. Je pense qu'elle ne dirait pas non à un peu d'aide pendant que tu y es. Pourquoi n'irais-tu pas rendre visite à cette famille un peu originale qui a emménagé il n'y a pas longtemps? Ils ont l'air d'avoir un souci et par mes plumes, on ne peut pas laisser passer ça à des villageois mécontents, pas ce moment. Ah, bref, je vais me mettre à la lecture. Va les aider et amuse-toi bien. Aider les villageois, on va commencer. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai vu juste la présentation de la vidéo Steam à la con. Et du coup, je me doute qu'à un moment, on va devoir descendre dans le puits. Bah, la crèche, qu'est-ce qui se passe? Oh non, ne dis pas que tu veux que je retrouve les gosses. Les poussins ne devraient pas être ici avec moi, mais je crois qu'ils sont encore en train de faire une partie de cache-cache à envisager. Est-ce que tu pourrais me les renvoyer si jamais tu les aperçois? Merci, t'es un amour, bonne chance. Non, non! Je peux pas faire de... Saloperie! Il n'y a pas un con dans un arbre ou quoi que ce soit. Hein. Je peux pas aller plus loin. J'ai pas un sprint? Non, j'ai rien. Poussin, oui, je m'en fous. Poisson, c'est des poussins, ça mange de quoi? Ça mange des graines, c'est tout. Et du coup, c'est maintenant que je vais devoir tout fouiller, voir s'ils sont pas là ou quoi que ce soit. Faire des X ou. Elle a pas un four? Par contre, vive la cheminée, hein. J'avoue, j'avais pas grillé tout à l'heure. Y a pas un truc derrière la caisse, ça, c'est quoi ça? Non, je peux pas bouger, non, non, ok. Vous donnez pas d'alcool au poussin, y a personne derrière le bar, là. Y a des enfants perdus. Si je retrouve un enfant perdu derrière le bar, j'appelle la police. Pédophile! Y a rien à signaler là-dedans.
Ça me fait chier parce que je me dis s'il serait dans la maison ou ça serait ce qu'il était. Pour l'instant, on fait le tour. Attends, vas-y. J'en ai pas vu un! Ça, c'est chaud quand même. Je peux pas me mettre dessus. Non, 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 non. J'ai quand même fait presque la moitié de la map. J'en ai pas vu un. Il y en avait au moins 3 ou 5. Je sais que l'échelle est ma est proche. Oui! Ben de Dieu! As-tu vu le gibier? Ils sont quand même pas allés se planquer dans ma maison quand même! Saligo, petit mélandrin là! Les merdeux! Ou ils sont partis tous dans le puits, c'est peut-être ça, peut-être que. C'est ça le souci. On va voir. Tu peux te le carrer, tes graines? Tu entends ces voix qui sortent du puits? Ah, bah voilà, tu veux pas aller jeter un coup d'œil? J'entends, je t'ouvre le passage. Voilà, bon, bah, le seul truc que je m'étais spoilé, c'est le premier truc aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un poussin. Viens ici, toi, là. Non, mais c'est trop dangereux, je suis le coq de famille, j'ai des responsabilités. Toi, t'as du cran et un sac à dos. Tu veux pas y aller? Tu veux pas mon sac à dos, salaud? Attends, reviens ici, poussin, déjà. Attends que je t'attrape. Il est nulle part. Bah, mais enfin. Enfin. Je veux pas y aller. De quoi? Ah ouais, c'est vraiment. Ils sont invisibles, les poussins. Il va falloir aller sur chaque truc en mode fouille. Vas-y, on va descendre d'abord, vas-y. Bah de Dieu, tant que tu n'es genre! Est-ce que je peux sauter juste là? Bah oui, monsieur! Ok. Ah oui, c'est de la poupoule acide. Ok. Ok, elle. Ok. Attends, faut tourner ou faut aller d'un côté ou de l'autre? Je sais pas. Mais viens de Dieu! Tu te rends compte que t'aurais pu mourir? Bah oui, petit con, tu mériterais que je te laisse crever là! Quel abruti celui-là! Qu'est-ce à dire que ceci? Qu'est-ce à dire? Ah! Ok, on peut tirer. Autant pour moi! La force du bec. Pas dans ce sens-là, dans ce sens-là. Ok, il y a juste à mettre une direction. Ça, Tneka, moi je vous laisserai tous mourir. Graines de voyous. Ça, c'est de la future délinquance dans nos rues. Qu'est-ce que ça va donner de façon, cette idée, hein? Ça va sauver le monde? Au pire, on fera des battles royales. J'hésite d'abord par là ou d'abord par là? Ah, d'abord par là, allez. Il y a un chargement, on dirait. Tout. D'ailleurs, on peut. Au cas où il y en aurait un de planqué, hein, on sait jamais. Ah, bah, j'ai bien fait. Surtout qu'il y a. Mais enfin, je sais pas sauter. Tu vas finir en pôle sauter, moi je te le dis. En cocorin! Je dois avouer, le poulet. Un des trucs que je préserverai en premier. La vache d'abord, parce que. La viande de vache et le lait. Que ce soit pour le fromage. Ou juste le lait, déjà, c'est déjà magnifique. Je dois avouer, vache meilleur animal sur cette terre. Et après la volaille, parce que ça se mange toujours bien. C'est vrai que je tourne pas sur beaucoup d'animaux, hein, malgré que je sois un putain de carnivore. Ouais, le porc, ouais. Mais c'est vrai que la base de notre alimentation, elle est pas si énorme que ça, j'ai envie de dire. Bon, il y a les escargots,
Les crapauds, les huîtres, ouais, les fruits de mer, ouais, j'avoue. Ouais, tout de suite, poisson, fruits de mer, tout de suite. Ça rajoute quand même. Peut-être pas besoin d'aller aussi haut. Ouais, parfait. J'aurais pu aller plus haut, c'est... Ils l'ont conçu, pourquoi pas. Putain, la musique, elle est fat en plus. Attends, est-ce qu'on peut aller vous augmenter ça? Ah, je suis déjà au max. Je sais pas si... Ah, parce que ça peut aussi bien aller fort que pas fort, j'ai un doute. La musique est fat. Quoique, est-ce que j'irai pas au bout d'abord? Vas-y. Ok, je peux pas y aller. Hop, hop. Faudra couper la corde. Couper la corde. Oh zut, c'était une super cachette. Mais comment t'es arrivé là, bordel de merde? Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, vos parents? Allez vous cacher dans les égouts, vous allez voir, c'est fandard, mais... Pic, 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 pic. Pouvoir de la poule. Vous picore la face. Non mais franchement, pour l'instant, je suis agréablement surpris, bonne ambiance. Oh. Rien en bas, on dirait pas. Allez, c'est parti. Ouais, il y a un sol, ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc là, que faire? Descendre, rapprocher. Et je pourrais y aller, ça doit être juste ça. Enfin. Capricieuse? Ouais, ça a l'air d'aller, on verra au pire. De toute façon, je sais pas s'il y a des vies tout ça. Par contre, c'est vrai que j'ai pas vu s'il y avait un compteur de vie. Ouch! 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 On le vide totalement. Et ça n'ouvre qu'un côté. Bizarre, bizarre. J'ai pas vu si c'était ouvert quand il était totalement baissé. Ouh! Ouh! Voilà, au pire c'est sauvegardé, et là si je rebaisse. Ouais, bah comme ça va bien. Ouch! C'était trop juste, j'aurais peut-être dû laisser un peu plus haut. Bon après si... Bah juste au niveau de la porte, bah voilà. Ouch! Ah! Un gros caca. En tout cas, ils ont une sacrée architecture, technologie, culture, les popoleux. Il faut pas taper dans les poulettes. Les poulettes, c'est gentil. Pas du tout les poulets. Les poulets, c'est gentil. Votre histoire d'amour avec un galil... Ah, le sacrifice à la fin. C'est pas grave. D'ailleurs, ça prend combien d'œufs à l'année, même poupoule? Ça pourrait en faire. Ça pond des œufs tous les jours. Après, je crois que bien sûr, il y a une différence. Oh merde. Entre le fait qu'elles aient un. Je crois qu'attends, faut déjà qu'elles soient fécondées pour avoir un œuf ou c'est pas parce qu'elles ont des œufs que les œufs seront fécondés? Je sais plus à quel moment intervient le coq. Si forcément, il faut que le coq ait baisé pour qu'elle ait des œufs. Ou si c'est pour qu'elle ait des œufs fertiles, j'ai un doute. Donc là que je me pose des questions sur la sexualité des poupoules. En tout cas, le caca de poupoule, ça pue. C'est pour ça que j'ai du mal à imaginer des poupoules en intérieur. Vas-y, juste parce que je suis un fou. Ouais, ça me passe pas. C'est parce que j'ai fait le con. Alors, ouais, ça passe pas. Alors. Bah oui, il faut juste que je me sers d'abord de cette caisse et que je la repousserai au loin après. Ça doit être juste une question d'ordre à la con comme ça. Enfin. Voilà, jusque-là, on va dire que c'est bien. Et ça ouvre. Olé! Une aventure.
Non, je vais faire tout de suite bouger l'autre caisse sur le côté, sinon je vais galérer. Vas-y, hop, voilà. Mais non. Tout, 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 tout. Je peux même pas aller voir au bout. Ça tombe, ouais, j'avais remonté le truc en mode, vas-y, il y a peut-être un poussin là-bas. Bah, il y en avait peut-être un, hein, peut-être que j'ai sacrifié. Bah, il avait qu'à pas traîner dans les égouts. Bien fait pour sa gueule. Chacun sa merde. Ça a l'air bien comme ça a l'air bien, allez. Je suis une poule mélancolique. La. Non mais c'est bien parce que c'est pas vraiment des énigmes tellement où c'est simpliste en fait. Mais ça te fait quand même réfléchir, mine de rien. C'est plus. Bah, j'ai pas à dire que ça va t'amener des compétences ou quoi que ce soit. Mais ça entretient, voilà. Ça te surprend au moins, ça se laisse vivre. Qu'est-ce que ça, c'est une créature démoniaque là-haut? Attends, tu veux la guerre? C'est quoi ça? T'es une poupoule mutante? Qui donc vient troubler mon repos? Coach Choulou. Au cas où ce sera un jeu, non, je comprends pas. Ah, désolé pour la grosse voix, c'était pour éloigner les monstres, tu vois? Je me suis égaré dans ces tunnels. Je n'aime pas trop le déplacement rapide. Je vais avoir besoin. Non, j'ai besoin de voir le paysage. Tu n'es pas un monstre, donc je suppose que je suis sur le bon chemin pour aller au village. Oui, c'est derrière toi. Je vais voir mon cousin. Ne dis à personne que j'ai rendu l'eau verte, d'accord. Hein? Comment ça, t'as rendu l'eau verte? T'as fait caca dedans? C'est quoi le délire? Ok, bon, à tous les coups, je devais passer voir Georges à la base pour lui demander quelque chose, mais voilà. Il faudrait que je me fasse tour en demi-tour. Ou c'est là que j'ai commencé? Attends. Ouais, c'est là que j'ai commencé. Ah, bah, c'est cool, justement. Bon, bah. Pas de demi-tour. Allons voir Georges. Qui est Georges? Georges! Quoi, c'était en fait mon cousin Cachoulou? Je savais qu'il devait nous rendre visite, mais la plupart des gens utilisent le déplacement rapide. Ah ouais, en plus, vous avez des pouvoirs de ninja? Sangoku? Téléportation? Fusion? Ce n'est vraiment pas un poulet comme les autres. Quoi qu'il en soit, je suis content de savoir qu'il arrive. J'ai sorti un jeu de plateau rien que pour nous, comme au bon vieux temps. Un petit Monopoly, t'as vu? Tic-tic-bang-bang, ça c'est bien. C'est quoi ce truc mauve? Ça m'intéresse. Retournez voir le maire, j'ai déjà utilisé sauver tout le monde. Personne n'a rien à dire, ok. Non mais c'est pour les enfants, j'ai eu tous les bébés, c'est cool. Bah tiens, allons voir au pire directement la. Toi là, la, comment l'enseignante. C'est ouf, tu les as tous retrouvés comme je suis soulagé. Bah voilà, bah je m'emmerde pas. Entre nous, j'ai bien cru que j'allais devenir folle. J'ai bien failli perdre mes plumes. Tu m'étonnes, t'imagines les procès? Ceci dit, j'ai même pas l'impression quand ils sont là. Tiens, d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée quand j'étais gosse. J'en reviens pas qu'aujourd'hui, ça tourne en procès et tout. Là, encore des parents qui vont peut-être porter plainte et tout. En mode. Moi, quand j'étais petit, ça m'est arrivé. Une fois, je me suis dormi dans le bus. On allait à la piscine, on prenait le bus scolaire. Et je me suis endormi dedans. Et en mode, il y a un gosse à qui c'est arrivé ça, les parents. Ah, oh, la petite, elle est traumatisée, nanani, nanana. Putain, je sais pas comment ça s'est passé pour eux, mais moi, j'ai vécu plus ou moins la même histoire. Et en gros, juste, quand je me suis réveillé, le chauffeur, il était parti depuis même pas 10 minutes, en fait, de la piscine. Et il m'a dit clairement, bah, t'inquiète pas, en fait, moi, je fais la tournée des piscines. Heureusement, je suis pas tombé sur un pervers ou un truc taré comme ça, je vais avoir 6 ou 7 ans. Mais en mode, bah, juste, t'inquiète pas, je fais la tournée des écoles et c'est moi qui les amène à la piscine municipale. Donc, en gros, c'est moi qui vais aller récupérer ta classe d'ici 2 heures et qui les ramènerai à l'école. Donc, voilà, en mode, t'as juste à attendre, tu vas retrouver ta classe. Je sais même pas si j'en avais parlé à mes parents parce que. On n'en avait rien à foutre, il n'y avait pas de drame, quoi.
Non, je pense pas. Je suis encore sur le manuscrit, ça risque de prendre encore longtemps, sans doute quelques mois. Parcourir un aussi gros livre, ce n'est pas une mince affaire. Tu sais, et développer un jeu vidéo non plus. Merci d'avoir joué à la démo de Chicken Journey. Et les villageois te sont reconnaissants. Tu peux continuer à t'abader et discuter, n'oublie pas d'ajouter. Ouais, franchement, je vais voir. Je le ferai peut-être pas cliquer dessus, comme ça, j'aime pas partager mes infos. Mais voilà. Voilà, s'il est pas cher, je sais pas combien ils sont dessus, mais pour le peu qu'il y ait une autre aventure, à tous les coups, ça va partir, à mon avis. Sortez du village. Ça vaut le coup peut-être d'aller voir les vidéos Steam, justement, de présentation, parce que parfois tu vois bien dans les vidéos qu'il y a plusieurs mondes et tout, qu'on te les a juste pas encore présentés. D'ailleurs, j'ai été très surpris par le dernier FPS que j'ai fait qui était vraiment boule. Je sais plus son nom, mais ah oui, c'était Unreal, un truc comme ça, qui ressemble un peu à du Doom, du Quake, des trucs comme ça. Bah, quitte à faire, allons voir la page Steam, comme ça, je vais vous donner plus d'infos. Page du magasin. Donc, je joue à la manette aussi. Il est traduit, comme vous avez pu le voir. Date de parution Q4 2022. Je sais pas ce que ça veut dire Q4. Est-ce qu'il y a un mot en mode trimestre, je sais pas comment on dit trimestre en anglais, ou j'en sais rien. Nanani nanana, non, y a pas d'autres nouvelles. Il prend même pas 1 giga de place, hein, il est cool. Tiens, quitte à vous avoir, je regarde vite fait la vidéo de présentation. Ouais, par exemple, je regarde, il y a tout un truc où t'es dans la jungle, effectivement, avec des lianes, des champis qui rebondissent. Qu'on appelle ça Ah, quand ça va d'arbre en arbre, pas des lianes, mais des tyroliennes et tout. Il y a l'air d'avoir toute une aventure derrière. Tiens, je regarde vite fait aussi la deuxième vidéo. Ça, c'est la présentation du début. Et ouais, non, il y a quand même 2-3 environnements en plus. Ah, là, il y a un peu une sorte de savane. Non, franchement, ça peut être vraiment intéressant. Acheter un coup d'œil. Bon, comme toujours, hein, je le dis, c'est selon le prix, tout est relatif. Si je vois qu'ils le sortent à 2 euros, je me jette dessus. S'ils le sortent à 50 euros, ça va peut-être être juste. En tout cas, comme d'hab, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo en ma compagnie. Je vous souhaite le meilleur du monde, santé, argent, bonheur, tout ça. Et je rappelle aussi, quitte à faire, pareil, petit rappel qui est toujours bon à faire, je ne fais pas de jeu concours, je n'ai pas de Tipeee. Je n'ai pas de truc de don, de sub, donc si jamais un jour vous recevez des messages ou quoi que ce soit, faites gaffe, c'est peut-être de l'arnaque. Moi, soit je vous préviendrai, soit je n'ai rien. Voilà, laissez des pouces bleus, c'est gentil. Et des abonnements et des partages, c'est ce qui fera vivre la chaîne. Des bisous, gloire à vous, à bientôt, ciao ciao.